C'était précédemment sur la dissertation, bien entendu. On avait élaboré quand même les deux thèses, c'est-à-dire l'esthétique et l'engagement. Et la nuance, c'était le lyrisme personnel. On avait démontré comment on fait une introduction, comment on fait une thèse, avec les réalités, bien entendu, la conclusion partielle, la phrase de transition pour attaquer la nuance, bien entendu, les deux paragraphes minimum. Et pour attaquer aussi la troisième partie, on avait démontré tout cela avec la synthèse. Mais il y a une troisième partie de la dissertation après l'introduction, le développement. La troisième partie s'appelle la conclusion en quelque sorte, que j'appelle souvent la fin. Alors, comme vous l'avez bien constaté, la conclusion compte trois parties. Ce que je surnomme souvent le chiffre 3. Alors, la question qu'on se pose, quelles sont les trois parties de la conclusion? D'abord, nous avons le bilan, suivi de l'opinion personnelle, et enfin, nous avons la fameuse perspective. Alors, qu'est-ce que le bilan? Le bilan n'est rien d'autre que le rappel des temps forts du développement. Quand je dis les temps forts du développement, ne l'oubliez pas, au niveau de la thèse, il y avait la fonction esthétique plus la fonction engagée. La nuance, les gars, on avait mis en jeu le lyrisme personnel. Dans ce cas, pour faire le bilan, forcément, il faut se rappeler de ces trois fonctions-là d'une manière trop brève. Comment? Mais aussi, avant ça, il y a des mots qui nous démontrent que nous sommes en train de terminer. Au total, par exemple, en définitive, au bout du compte, enfin, etc. Maintenant, pour faire le bilan, qu'est-ce qu'il faut dire? En définitive, il ressort de cette analyse que la mission du poète est plurielle. Pourquoi le poète? Parce que le thème général, c'est la poésie. Si c'était le roman, on dira la mission du romancier. Le théâtre, la mission du dramaturge. La littérature en général, la mission de l'écrivain. Mais ici, c'est la poésie, comme j'ai dit tantôt. En définitive, il ressort de cette analyse que la mission du poète est plurielle. Et vous regardez la thèse, et c'était engagement. C'est pour certains, le poète doit mettre en valeur la décoration, en même temps prendre en charge les problèmes de la société. Pour d'autres, par contre, vous jetez un coup d'œil au niveau de la nuance. Pour d'autres, par contre, il doit mettre en valeur sa vie personnelle. Après le bilan, maintenant, il faut convoquer la deuxième partie qu'on appelle l'opinion personnelle, qui n'est rien d'autre, comme vous l'avez constaté, bien entendu, une prise de position. De quelle prise de position s'agit-il? Il s'agit de prendre position en faveur de la thèse ou en faveur de la nuance. Mais ça ne vous donne pas le droit de mettre en valeur le fameux « je ». C'est interdit en dissertation. Dans ce cas de figure à la place de « je », qu'est-ce qu'il faut convoquer? Il faut convoquer le « nous » en quelque sorte. L'élève, qu'est-ce qu'il dira? En ce qui nous concerne, nous pensons que le poète, et vous regardez, doit mettre en valeur les problèmes de la société au lieu de s'attarder sur l'ornement et sa vie personnelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Là, l'élève a pris position en faveur de ce qu'on appelle des problèmes de la société. Maintenant, après avoir pris position, il faut dégager ce qu'on appelle la perspective. Là, comme vous l'avez bien vu, bien entendu, c'est une ouverture, c'est une brèche. Dans ce cas de figure, un autre débat vient de voir le jour. Dans ce cas de figure, ça a un rapport très étroit avec l'opinion personnelle à ne pas oublier. Là, pour rafraîchir un peu la mémoire, nous avons pris position en faveur de la poésie engagée. Dans ce cas, l'élève a deux possibilités de perspective. La première, l'élève peut sortir la perspective par le biais d'une citation. Comment? C'est en ce sens que Hugo dira « Le poète est l'écho sonore de son temps. » Vous avez fait votre perspective en guise de citation. Maintenant, l'élève peut dégager sa perspective en guise d'une phrase interrogative. D'où l'interrogation suivante. Que serait alors la poésie sans la fonction engagée? Et vous avez ce qu'on appelle votre perspective en quelque sorte. Maintenant, pour résumer en quelque sorte, qu'est-ce qu'il faut dire en grosso modo? En définitive, il ressort de cette analyse que la mission du poète est plurielle. En effet, si pour certains, le poète doit mettre en valeur la décoration et les problèmes de la société, pour d'autres par contre, il doit s'attarder sur sa vie personnelle. En ce qui nous concerne, nous pensons que le poète doit prendre position en faveur de la société au lieu de s'attarder sur sa vie personnelle ou sur l'ornement. D'où l'interrogation suivante, que serait alors la poésie sans la fonction engagée? Ou bien c'est en ce sens que Hugo dira le poète est l'écosonore de son temps et vous avez votre dissertation complète. L'introduction, pour récapituler un peu, comprend cinq parties. Nous avons la situation du sujet, nous avons l'annonce du sujet, nous avons la reformulation,
nous avons la problématique, nous avons ce qu'on appelle le fameux plan. Vous avez la thèse, minimum il faut dégager deux paragraphes. Ce dernier est toujours fermé, ce qu'on appelle par la conclusion partielle. Vous attaquez à la nuance, ce dernier est toujours ouverte par ce qu'on appelle la phrase de transition. La nuance comprend aussi minimum deux paragraphes. Après, vous faites ce qu'on appelle la synthèse, c'est-à-dire le bilan, la réconciliation entre la thèse et la nuance. Et enfin, vous attaquez la fameuse conclusion dans les parties dont je viens d'énumérer. Alors là, c'est là, c'était le sujet qu'on avait évoqué précédemment. Mais comme vous l'avez constaté ici tout à fait en bas, il y a un autre sujet qui est en train de se profiler à l'horizon. Alors là, qu'est-ce qu'on a dit? On ne doit pas imposer des normes ou des limites à la création poétique. La consigne est là. Vous montrez d'abord comment le poète se démarque des règles. Ensuite, vous prouvez qu'il doit se plier derrière ces dernières. Et enfin, vous donnez votre point de vue à partir de là. Qu'est-ce que cela veut dire? Là, comme nous avions dit précédemment, nous avons le thème général, c'est la poésie. Mais dans ce cas de figure, est-ce la fonction lyrique? Est-ce la fonction engagée dans le fond? La réponse est non. Dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Là, les réalités du sujet sont très précises. Hein? On ne doit pas imposer. C'est-à-dire, c'est une négation. On ne doit pas imposer, c'est-à-dire on ne doit pas limiter, on ne doit pas exiger des règles ou des barrières à la poésie. En grosso modo, il faut comprendre qu'on fait allusion au poète qui remet en cause les règles déjà établies, au poète qui se démarque complètement des règles de la versification, comme les règles de l'alexandrin classique, les règles de la rime, les règles des formes fixes, etc. Donc dans ce cas de figure, l'élève, qu'est-ce qu'il doit comprendre comme sens? Le sens de ce sujet est le suivant: on ne doit pas exiger des règles ou des barrières à la poésie. Ça, c'est le sens du sujet. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut démontrer au niveau de la thèse? À chaque fois, ne l'oubliez pas, ça devient ce qu'on appelle, ça rime avec d'abord. D'abord, comment le poète se démarque des règles? C'est-à-dire, comment le poète remet en cause les règles de l'alexandrin, les règles de la rime, etc. Maintenant, ensuite, il faut prouver que le poète est obligé de respecter les règles de la versification. C'est la raison pour laquelle on a dit, vous prouvez ensuite qu'il doit se plier derrière ces derniers. Ces derniers remplacent en réalité ces règles-là. Et enfin, vous donnez votre point de vue à partir de là. Là signifie tout simplement, l'élève doit démontrer qu'enfin, au niveau de la synthèse, le poète peut à la fois refuser et accepter les règles déjà établies. Donc, dans ce cas de figure, quelle est ma thèse? Ma thèse, forcément, sera ce qu'on appelle, les gars, la révolte formelle, en quelque sorte. Alors, maintenant, qu'est-ce que la révolte formelle? L'avenir nous le dira. Quelle sera ce qu'on appelle la nuance? La nuance, les gars, ce n'est rien d'autre que le respect en réalité des règles déjà, le respect des règles établies. Alors, maintenant, après avoir démontré que ça, c'est la révolte formelle, ça, c'est le respect, ce qu'on appelle des règles déjà établies, il faut réconcilier ce qu'on appelle les deux pour ne pas dire ce qu'on appelle la synthèse. Dans ce cas de figure, ce qu'il faut éviter, ne tombez pas dans le piège. Comment éviter de tomber ce qu'on appelle dans le piège? Comprenez une chose. Nous avons le lyrisme, certes. Nous avons ce qu'on appelle l'engagement, certes. Mais dans ce cas de figure, le lyrisme et l'engagement sont complètement ce qu'on appelle zappés de ce sujet. Tout élève qui comprend ce qu'on appelle l'engagement esthétique, le poète remet en cause les règles déjà établies et ce qu'on appelle dans le sujet en quelque sorte. Parce que ce sont des thèmes maintenant qui sont en train de gagner petit à petit ce qu'on appelle du terrain. Dans ce cas, là, pour comprendre ce qu'on appelle cette thèse, c'est très simple. Il faut aller les chercher du côté du 19e siècle, plus précisément avec le grand Victor Hugo. Qu'est-ce qu'il fait? Comment il a fait pour remettre en cause les règles déjà établies? Hugo a ciblé ce qu'on appelle l'alexandrin classique, créé par qui? Le grand Nicolas Boileau et Monsieur Malherbe, ces deux géants qui appartiennent au mouvement classique. Alors il faut comprendre quelles sont les réalités de l'alexandrin classique. L'alexandrin classique, les gars, n'est rien d'autre qu'un vers de 12 pieds, bien entendu, composé de 4 accents, dont 2 fixes, 2 mobiles. Nous avons la présence de la césure, nous avons les deux hémistiches et le rythme est souvent binaire. Dans ce cas de figure, quand Hugo est venu au 19e siècle, pour contrecarrer l'alexandrin classique, qu'est-ce qu'il dit d'abord? Je mis un bonnet rouge au vieux dictionnaire. C'est-à-dire, je foule les règles déjà établies. Il considère son alexandrin romantique comme un cheval de bataille contre les classiques. C'est la raison pour laquelle le père de Léopoldine, le chef de file du mouvement romantique, qu'est-ce qu'il nous dit? J'ai disloqué ce grand nid d'alexandrin. Qu'est-ce que cela veut dire? À la place de l'alexandrin classique, Hugo met en valeur ce qu'on appelle l'alexandrin romantique.
À la place des quatre accents, il place les trois accents. La césure ici dans l'Alexandre classique disparaît dans l'Alexandre romantique. Il y a deux hémistiches dans l'Alexandre classique. Il n'y a pas d'hémistiche, ce qu'on appelle dans l'Alexandre romantique. Le rythme est binaire dans l'Alexandre classique, c'est-à-dire le vers comprend quatre mesures égales. Mais chez Hugo, dans l'Alexandre romantique, le rythme devient ce qu'on appelle ternaire, c'est-à-dire le vers comprend trois mesures égales. Là, nous sommes obligés de nous arrêter là au fond de notre discours et nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour pouvoir continuer ce qu'on appelle notre sujet que nous jugeons très 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 important.